Alishat. Adieu. Pabengut. Gracias. Donc, ainsi qu'il y a le congrès permanent de la langue occitane, no? Que vau a visitar los bureus et també presentar a l'equipo que te va estar al congrès et sovint de respondre a les vostres questions que avem tassos qui hem. Que pillam? Yeah. Existeix des empuix quan el congrès? El congrès que hi recent, un congrès que l'han creat en 2011, en què el carrer de Herr recent. I que hi ha d'autres sites o són que a pau? L'equip permanent del congrès, un moment que hi ha tot a pau. Ara sí que el meu bureu de direcció, que part de Jean Bress, qui s'occupa del pol Lengue Societat, donc la persona que s'occupa de tot ce qui est diffusió de la llengua dins la societat, entrepreses, collectivitats, presència de la llengua, comunicació, que s'occupava de la campanya Bon Anna, l'espace de vista d'afiches que avem a la paret aquí. Que hi ha com a interpreses que utilitzen l'occità? Ah, per exemple, que hi ha com a interpreses que avem a Dixat, que utilitza, que comunica, que ven l'occità. Alors, són pas ser, veritat, mais justament que en el joc de nosaltres, de desenvolupar la presència, la visibilitat de la llengua de les interpreses i també de convèncer les interpreses de l'utilitat a t'adhèrer, també, a un mercat, d'utilitzar i de comunicar en llengua occità. No? Per exemple, el Dicodoc, el coneixet? Ah, sou ben, el Dicodoc. Jo, que l'havies al telefonet també, que l'havies instal·lat? No, mais si és internet, sí. Internet. El que podeu descargar, si voleu, el Dicodoc, si l'havies Android o també Apple, si l'iPhone, que es pot descargar a la botiga oficial, que l'havies l'aplicació, que hi ha gratis. També que l'havies un cas succès, que és el clave predictiu. Sabeu que es pot explicar ara en occità? A un moment, n'hem pas que la versió Android, mais déjà que permet d'escriure sense copar el cap, perquè escriure en occità és un clave francès, que et donc, comme dit que tout ce qui avait à dar, qui va enseigner qui serait la traduction automatique, la synthèse vocale, qui est la technologie qui permet à la machine de transformer le texte en bout, la reconnaissance vocale, technologie qui permet à la machine de transformer le bout en texte. Adieu. Gracias. 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 Congrés, que Gracias. 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 Desenvolupament numérique qui Gracias. Alors, yo soy responsable del polo TAL. TAL vol dire tractament automatique del llenguatge. El tractament automàtic del llenguatge serveix a cada moment que interagissin quasi amb una màquina. Serveix quan piquen un SMS, serveix quan cercant quicon amb un motor de recerca, serveix quan dona un ordre a un incit connectat. Donc, per les llengües com l'occità, és força important d'estre actius dins el domeni del TAL, si que nous, le monde ne pourra pas interagir avec les machines dans cette langue. Donc, dans ce passe, nous avons travaillé sur la traduction automatique. Et à la sortie, nous aurons une traduction qui permet de traduire de l'occitan au français et de français à l'occitan. Alors, bon, c'est force code et code et code. Ici, il y a un dictionnaire qui a le mot en occitan et le mot en français qui correspond à chaque cop. Et ici, il y a un autre dictionnaire qui explique un peu chaque mot que si nous pouvons décliner. Que peut occuper de l'algorithme? Nous, l'algorithme, en sachant de travailler avec des causes qui existent déjà, et nous entrons en faisant que des petites améliorations, parce que nous ne pouvons pas toutes développer, ce n'est pas trop nombreuses. Mais le traducteur, par exemple, est basé sur Apertium, qui compte qu'est utilisé par toutes les langues minorisées. Il y a le catalan qui l'utilise, le basque, mais aussi est développé premier par les Samis, me semble, ou en force contribute, c'est une langue de Norvège. Donc des causes atales. Par quel espace est Google Trad? Google Trad, ben non, parce que Google n'est pas justement, n'est pas open source, donc il n'y a pas accès à l'algorithme de Google et il ne peut pas en mettre la langue occitane. C'est obligé de faire notre propre traducteur. Donc si vous voulez le hack, quel est le demandat à Google? Demande à Google ou calrio que Google embauche quelqu'un pour faire ou nous demande de faire. C'est plus là où dit l'autre sens. Que sou est stat engagé tout purement en ta desboulpa la synthèse bucao. Donc, que vous dites que passe test picat à l'urau, un bout mécanique synthétisé. Qui marche. Que ben engagé une personne en ta lei une piale race de phrases. Et après, nous autres, que ça calute justement aligner tout ce qu'est le nom du fichier, la phrase à qui okay, abem. Et tabé la phonétisation de cette phrase. Ici, ok, complètement intelligence artificielle appliquée à la langue. Vous voulez que ça y ait une phrase autre? Non. Yo, et pourquoi pas?
Et donc, Kebat spica une phrase autre, une petite une, hein. Dio a. Tout. Bah, une phrase qui s'acabe par. Tout ce thème. A qui ok, a synthétisé ou de qui, et poum, lecture. Adieu à tous. Ça fonctionne ou pas? Oh. Qu'est-ce qui est bien dans cité et qui coralise dans cité, et à dire que c'est la part inverse. Ok. T'en vas dire que. Qu'est-ce qui est bien dans français? Non, directement que. Ah, ok, ah oui. Que parle dans cité et. Qu'est-ce qui est bien? Qui écrit en utita et aquello que s'appelle la reconnaissance bucao. Bucao, effectivement. En tabasti, justement, tout aquello de la reconnaissance bucao, que y a perata dret a gauche tous les partenaires possibles qui avaient matériel audio et script. En tabé, mestiu audio, mestiu script, est exactement la même chose que la synthèse bucao. Qui est presque une émission, c'est pas si vous connaissez Toc Toc, vous connaissez. L'émission qui est sur l'aéroport, par exemple. Qui ont été substitués dans notre cité, et nous, justement, qui a l'initié de décider exactement à quoi, à qui, et à la fin, qui a eu une phrase, un fichier audio, une phrase, un fichier audio. Et donc, qui ont été à recapter le monde de partout, et d'accord, qui ont été à bâtir une plateforme qui s'appelle Reboc, et à qui je dirige mes collègues, Vincent, qui a été développé. Donc, je me souviens que, comme le disait Mika, qui a développé la plateforme Revoc. Et qui est une plateforme simplette d'enregistrement, où le monde peut nous bénir, piquer une phrase et l'enregistrer. Bah, qui est simplote, piquer sur le bouton d'enregistrement. Et tout à coup, mande la sdounade à le servir des Revoc. Et nous autres, la spoudaine des récupérer per un trainal ou ce logiciel des reconnaissances vocales. Mais c'est tout le monde qui peut écrire une phrase ou pas? Solide. En fait, il y a maintenant une option, ce qui nous intéresse, nous. Est la correspondance entre ce qui est écrit et ce qui est dit. Après, ce qui est écrit, en fait, n'est pas important. Peut-être qu'il y a aussi d'écrire ce qui voulait, tant qu'il disait la métaille ce qu'il y. Et que pouvons-nous avoir, par exemple, la case? Oh, c'est solide. À cause d'une site internet, est disponible à tout le monde. Est totalement accessible, c'est pas de tab et faire et à mes téléphonettes. Donc, ce qui est pour pauser, justement, nous avons créé un petit compte, qui est le compte Toc Toc, qui est la classe Toc Toc, où nous avons créé des hands, deux utilisateurs. Nous avons eu Jean et Raphaël. Attention, qui piques, qui tennes et qui parles. Les deux gouillettes qui viennent à l'école. Les deux gouillettes qui viennent à l'école. Phrase plat enregistrée. Qui est tribaillable à la journée pour les maïsous. Qui est tribaillable à la journée pour les maïsous. Quel combien? Ouais. Ce qui aime. Balida et Manda l'enregistrement. Balida et Manda. Bon, ben alors que ça baisse qui n'a, Bertat. Ouais. Et donc, ben, si abets thèmes à tu as, ou si abets idées à per pausa en classe, elles disent bon, ben, qu'avons acabé tout le travail, que boulem hadrin de boots, ha bansadrin la technologie que nous cita, et ben, que ça baisse qui n'a d'arène là. Adichat. Adichat. Abelleu. Abelleu. Ça se fait de kikao. Merci à vous, Aus. Adieu. Adieu. Adieu.